rocher Mercier mesure 458 mètres de long par 90 mètres de haut. Et puis il pèse environ 5 millions de tonnes et il en perd de 2 à 300 tonnes par année avec le dégel et l'érosion. Essentiellement, mon travail, c'est... En fait, il y a deux volets. Il y a un volet conservation puis un volet éducation. Donc, le volet conservation, mais ça peut être évidemment de faire respecter la réglementation. Ça peut aussi assister notre technicienne sur différents mandats qu'elle a sur le parc, là, d'inventaire de plantes, d'oiseaux, de plantes invasives. Ça peut être plein de choses comme ça. Là. Et évidemment aussi au niveau de la réglementation. Puis au niveau de l'éducation, bien, c'est le gros de notre travail, en fait, c'est d'animer des activités d'interprétation, concevoir et animer des activités d'interprétation pour la clientèle des parcs. On parle de la géologie parce que, bon, le rocher percé est incontournable ici en Gaspésie, donc on a un volet géologie. On a un volet aussi où on parle évidemment des oiseaux marins parce que la colonie de fou de bassin qui est derrière en est un bel exemple, donc c'est des incontournables ici. On a aussi un volet mammifères marins, donc les phoques, les gens qui font le tour de l'île en bateau, bien, ils les voient, les phoques sur les roches. Donc, avec le magnifique point de vue qu'on a ici, bien, on voit également des baleines très souvent. Donc, c'est tous des thèmes comme ça qui sont développés ici au parc. Ici, sur l'île Bonaventure, on retrouve une douzaine d'espèces d'oiseaux marins. Donc, ils arrivent au printemps pour la saison de la nidification. Donc, on a des goélands argentés, des goélands marins, on a des cormorans à aigrettes, on a des grands cormorans, on a des milliers de petits pingouins, de guillemots marmettes, de guillemots miroirs, de macareux quelques-uns, d'océanites, et évidemment, ben les fous de bassin, qui sont évidemment les plus nombreux ici sur l'île. L'île Bonaventure, elle est près de la côte, elle est à même pas en dedans de 5 km de la côte. Alors c'est facilement accessible pour les gens. Mais la majorité des endroits dans le monde où il y a des colonies de fous de bassin, c'est des endroits qui sont où c'est trop loin, où on n'a pas le droit d'aller, où c'est carrément inaccessible. Alors qu'ici, c'est facile. Un tour de bateau, on débarque sur l'île, un petit sentier de 3 km à peine, et on arrive face à une des plus grandes colonies de fous de bassin du monde. Un fou de bassin, ça vit autour de 25 ans à peu près. Donc, il est en âge de se reproduire autour de 5-6 ans. Et ça va vivre autour de 25 ans. Il va avoir combien de petits? C'est un petit par année. Donc, les œufs sont pondus au début du mois de mai. Et c'est un seul petit par année. Donc, il va naître au début juillet. Et ensuite, bien, les adultes vont les nourrir pendant 3 mois, donc avant d'être prêts à l'envol. La diète principale des fous de bassin, c'est surtout du maquereau, du hareng. Au printemps, bien, ça peut être avec le caplan, quand le caplan vient rouler sur le bord des côtes ici en Gaspésie. Donc, c'est majoritairement ça, caplan, hareng et du maquereau. Le fou de bassin, en fait, au niveau de son alimentation, c'est un spécialiste. Il a une seule façon de se nourrir, et c'est de survoler la main, de plonger là où il y a des bancs de poissons. Et c'est tout à fait spectaculaire. Il rentre dans l'eau à, parfois à 100 km/h. Alors, évidemment, quand tu plonges la tête la première dans l'eau, à 100 km/h, il faut que tout soit exactement parfait, sinon c'est la mort. Alors, c'est vraiment un spécialiste et ben, c'est vraiment spectaculaire. Là. Pour les gens qui fréquentent la Gaspésie, surtout au printemps, on les voit super près des côtes, c'est vraiment un spectacle inoubliable. Dehors, c'est un oiseau qui n'est pas très farouche. Et le fait de vivre comme ça, groupés les uns sur les autres en colonie, donc, ils se sentent en sécurité, ils s'offrent une protection mutuelle. Alors, oui, on les approche, ils sont tout prêts, en fait. Il y a même certains endroits où on pourrait presque leur toucher tellement on est prêts. Et les oiseaux, ils sont comme, dans le fond, si on n'était pas là. Et il y a le fait aussi qu'on est ici dans une journée à peu près 25 % du temps. Donc, on est ici à peu près 6 heures sur 24. Donc, le reste du temps, il n'y a pas personne ici avec ces oiseaux-là, donc ça ne cause pas de dérangement.
dirais qu'il y a à peu près moins 30 %. Donc, ils sont partis probablement en migration, oui. Ils vont migrer dans quel lieu? Ils migrent principalement sur la côte est des États-Unis, donc quelque part dans l'Atlantique, entre la Caroline du Nord et la Floride. Et même certains se pointent jusque dans le golfe du Mexique. La façon qu'on peut les aider, en fait, bien, c'est en gardant un habitat qui est sain. Donc, ne pas polluer la main, de faire attention à ce qu'on jette dans la mer et leur garder évidemment suffisamment de poissons pour qu'ils puissent s'alimenter. Et dans le fond, c'est comme ça qu'on peut réussir le plus à les aider. Si on réussit à faire ça, de leur garder un habitat sain, c'est-à-dire évidemment l'île Bonaventure en tant que telle, mais évidemment la mer parce qu'ils passent une grande partie de leur vie en mer, bien, ils vont très bien réussir et ils vont avoir de l'avenir. La colonie de footbassin ici sur l'île va relativement bien. Donc, on a une population qui tourne autour de 120 000 individus. Alors, on a eu quelques années où il y en avait un peu plus, mais c'est quand même une bonne concentration de footbassin qui se porte, dans le fond, assez bien. Hein. C'est le footbassin, ça reste un oiseau qui est abondant dans l'Atlantique Nord. Les îles, en fait, majoritairement dans le golfe du Saint-Laurent, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Alors, c'est un endroit de repos. C'est un endroit où ils viennent s'alimenter, où les animaux, il y a des phoques, mais il y a aussi les oiseaux qui viennent pour s'alimenter. Donc, c'est un refuge, en fait, pour ces oiseaux-là, pour une dizaine d'espèces d'oiseaux surtout. Donc, au printemps, ici, il arrive près d'un quart de million d'oiseaux. Alors, l'île Bonaventure, bien, c'est un endroit essentiel pour la reproduction pour ces oiseaux-là. Donc, c'est important de les protéger, donc qu'ils ne soient pas dérangés pendant cette période qui est vraiment cruciale pour eux. Bien, les changements climatiques, on sait que maintenant, en Gaspésie, à tout le moins, les hivers sont beaucoup plus doux qu'ils étaient. Hein. À l'époque où les gens habitaient sur l'île Bonaventure, pendant deux mois par année, ils pouvaient traverser à percée sur la glace, même à cheval, en traînant des charges de foin, de bois de chauffage, de toutes sortes de choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, bien, ça serait impossible. Alors, évidemment, les hivers sont plus doux, donc le couvert de glace est beaucoup moins important. Donc, ce qui fragilise d'autant plus, évidemment, le pourtour des falaises de l'île Bonaventure, mais aussi de la côte de Percé. Donc, le rocher Percé, un peu la même chose. Alors, s'il y a de l'érosion, la forte érosion, vu l'absence de couvert de glace, bien, évidemment, tout ça est inquiétant. C'est un endroit où, de un, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le parc. Et bien, c'est un endroit où on reçoit des milliers de visiteurs chaque année qui viennent de partout sur la planète. Donc, on a vraiment une clientèle internationale. Alors, oui, évidemment, ça a des retombées économiques, non seulement pour le parc en tant que tel, mais pour toute la région de Percé et de la Gaspésie. Ah oui, c'est toujours assez impressionnant et fascinant de voir des oiseaux, quoi. Leur envol, leur façon de s'exprimer, de se battre là entre eux, c'est magique. C'est vraiment le vacarme qu'il y a ici qui est impressionnant. Et de voir en plus les oiseaux de tout près, qu'on ne les dérange pas et ouais, ils sont vraiment très beaux, quoi. Donc je ne m'attendais pas à voir des oiseaux aussi grands. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus petits. Donc ouais, ils sont vraiment très beaux et très propres. Bah déjà, le temps est magnifique. Et c'est vrai que quand on arrive sur cet endroit, c'est déjà assez bruyant. C'est la première impression que j'ai. Et puis ouais, c'est assez impressionnant de voir ce contraste de ces oiseaux avec la mer derrière. Ouais, très, très belle impression. Puis on a appris pas mal de choses, comme le fait qu'ils pouvaient plonger jusqu'à 10-12 mètres de profondeur pour aller chercher leur nourriture. Ouais, non,
Vraiment, belle surprise et belle découverte. Et le parc comme tel, vous arrivez en bateau, la balade, c'est bien? Ah oui, la vue est vraiment magnifique au niveau du rocher. Donc c'est vrai que la balade en bateau nous permet d'avoir des perspectives différentes que sur la terre. Et puis bon, la vue de la ville depuis l'île, c'est aussi très beau. Et puis avec le soleil aujourd'hui et le ciel bleu, c'est splendide. Ouais. Puis l'île est magnifique, très bien préservée. C'est un grand parc et puis on est quand même à côté des animaux, donc on sait bien les voir, les oiseaux, sans pour autant les déranger nécessairement. Là, ce monsieur avec les oiseaux, c'est vraiment quelque chose de vraiment... On sent qu'il y a quelque chose. Ils sont passionnés, hein. Ouais. Ils sont passionnés par leur métier. Et de nous faire rencontrer tout ce qu'ils connaissent, c'est sympa. C'est émouvant. On en voit beaucoup. On en voit probablement plus de 60 000 personnes qui débarquent uniquement sur l'île Bonaventure chaque année, qui viennent à la grandeur de la planète. Là, c'est assez incroyable parfois de savoir d'où les gens proviennent. Ils savent qu'ils vont voir des oiseaux, oui, mais quand ils arrivent au bout du sentier qui est face à la colonie de Foutre-Bassin, c'est... Wow! Là, ils sont vraiment sans mots, ils ne s'attendent pas à ça. Donc, c'est un spectacle faunique, en fait, à travers le monde, qui est tant qu'à moi, incroyable. Et ouais, c'est vraiment une surprise pour ces gens-là, en fait, de voir tous ces oiseaux-là. Moi, je pense que l'avenir, elle est excellente, l'avenir des Foutre-Bassin ici sur l'île Bonaventure, en autant qu'on leur laisse un habitat qui est sain, comme il l'est présentement, qu'on gère les stocks de poissons de façon responsable pour leur garder de la nourriture. C'est un endroit qui va continuer d'évoluer dans le temps. Et oui, je pense que la colonie a un très bel avenir ici sur l'île Bonaventure. L'avenir du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé, c'est un endroit évidemment qui est connu maintenant à travers le monde et qui est de plus en plus visité. Et je pense que c'est... Le parc, en fait, c'est un des bijoux des parcs nationaux du Québec. C'est certainement le bijou de la Gaspésie et que dans le monde, en fait, des petites îles Bonaventure, il devrait y en avoir plus que ça. Parce que s'il y en avait plus un peu partout dans le monde, des petites îles Bonaventure, ben, je pense que ça serait un signe que la planète se porterait mieux. Et ouais, je pense que c'est un bel avenir pour le parc.